Le palais amande, pommes vertes, pralinées, noisettes et la brioche croustillante et crème à la levure. Chopilet. Combien de temps, Asperge? On y va. Mais au milieu, au milieu. This mint is not fresh. Le croquant on passe. Paris-Courtin Champagne. Paris-Courtin Champagne et Florescence. J'arrive, je vais les voir tout de suite. Monsieur, vous avez un reportage vidéo d'enfer. Super. Pascal, toute l'équipe en train de travailler. C'est rare. J'espère que ça fera partie de votre filmographie, voyez, bien positionnée. Ça a déjà bien commencé avec le critère, donc. Tout à fait. C'est un critère de choix pour nous. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On va prendre. Saison. Oui, parce que j'ai peur que 7, c'est beaucoup. On peut partir sur le menu de saison? Oui. Intermédiaire? Oui. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Parfait. Très bien. Est-ce que vous avez des allergies alimentaires? Vous n'aimez pas la fraise? Non, c'est pas que j'aime pas la fraise. Vous êtes allergique? J'ai juste allergique. Monsieur? Moi, j'ai pas d'allergie. Vous n'avez pas d'allergie? À part aux gens qui ont un goût, mais c'est la seule chose. Parfait. Et est-ce que vous souhaitez l'accompagnement des verres de vin ou vous souhaitez regarder la carte des vins? Alors, ce que je voulais savoir, est-ce qu'à votre carte, vous avez des vins chez Émile Hérédia? Alors, pas en ce moment. Ça va pas, ça. Mais nous avons la cuvée Le Verre des Poètes, 2011, son Pinot de Nice. Et c'est tout jeune. Et Émile Hérédia, je pense qu'il vaut mieux goûter ses vins chez Guillaume. Parce qu'il a des millésimes un peu plus à maturité que nous. Alors, comme là on est filmé, ce qui serait bien, c'est que vous vous détendiez un petit peu quand même. Je vous sens un tout petit peu. Oui, oui, oui. Soyez naturel. Oui, mais ça, c'est difficile, ça. Merci beaucoup. Notre spécialité, une feuille de champignons de Paris et foie gras. Le foie gras est mariné dans le verre jus, donc ça lui apporte une petite acidité. Il y a également des copeaux de pommes vertes. Dessus, on saupoudre d'une poudre de sel. Et puis enfin, l'assaisonnement, huile de noisette. Et puis sur votre gauche, purée de citron confit. Très bon déjeuner, madame. Les asperges de la Loire, accompagnées d'un trompe-l'œil. Donc le jaune d'œuf et de la mangue verte safranée. Et vous avez un chèvre caillé pour le blanc. Ici sur le côté, un croustillant parfumé aux herbes aromatiques et à la pâte de citron. On suit avec le Saint-Pierre, fenouil et oignon rose avec un peu de citron confit et cette sauce de tamarin et raisin. Alors, je suis désolé, on l'a pas fait exprès, on a fait du poulet. Il y a à faire. T'es dans le... C'est une poularde jaune des Landes, accompagnée d'une fondue parmesan, champignon de Paris à la poudre de cèpe et choux pointus, avec également un peu de sauge et carottes. Sur le côté, cette nougatine au miso. Oui, alors pouilly fuit, c'est très très bien. C'est très bien. Ouais, je commence à avoir mal au cou là. J'arrête. Allez, on arrête. Carré d'une collée d'agneau grillé. L'agneau grillé de Lozère avec petits légumes primaires, juste cuisson. Il y a
un tout petit point de mélasse de grenade. Et sur votre gauche, condiment d'olive noire à la réduite, amandes et café. Voilà. Merci. Madame est exigeante. Ah bah oui, mais bon, c'est mon anniversaire. C'est vrai. C'est une devinette. C'est moi qui vais vous filmer. Hein. C'était une purée de pommes de terre au fromage blanc. Un peu de crème fraîche, très peu sucrée. Glace vanille éteint. Bravo madame. Qu'est-ce qu'on dit ? Bravo madame. Bon, alors. Je sens au piment, gingembre et citronnelle. Alors, devant vous, une tartelette fraise rhubarbe et mousse jasmin avec une poudre de framboise. Et à droite, des perles de tapioca, cuites au lait de coco, gingembre confit, meringue au safran et caramel au citronnelle. Troisième dessert. Madame ? Oui ? C'est quoi ça ? Un joyeux anniversaire. C'est très gentil. Ça c'est pour vous, spécialement. Très bien. Vous avez les madeleines au miel de châtaignier. Voilà, le lait de poule parfumé au jasmin. Nous avons cerise, fruit de la passion, mangue pour madame. Monsieur, vous avez les maras des bois de la Loire, cerise de Provence. Happy birthday to you. C'est très gentil. Joyeux anniversaire, vous pouvez la mise. Très gentil. Vous en prie. On ne s'embrasse pas, mais. Ouais, on s'embrasse tout à l'heure en partant. Alors, bonjour. Excellent. Vous avez passé un beau moment ? Bonjour. Parfait. On a quelque chose à pour vous donner. On vous a vu déjà, nous, il y a très très longtemps. Ah, c'était quand ? C'était quand ? C'était chez Alex. Il y a un petit moment alors, hein. Ça date ? Ah, il y a. 2011. Ah, bah oui, oui, c'est quand. Pas de cheveux blancs, pas de lunettes, c'est quand j'étais jeune. Déjà, hein. Vous n'avez pas de cheveux blancs. Oh si, 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 si. Donc vous nous aviez dit à cette époque-là, venez chez moi plutôt. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas de la région, donc c'est pas ben oui, facile. Oui, oui. Donc aujourd'hui, étant donné que c'est mon anniversaire, on s'est dit, allez, bien. On y va. Et alors, franchement. Bon, vous avez passé un bon moment. Donc c'est la première fois que vous venez nous voir alors. Tout à fait. Du début à la fin, on n'a absolument rien à dire. Qu'est-ce que vous avez préféré ? Tout. Nous, on a adoré tout l'ensemble. Ah, bien, vous avez vu l'asperge ? Ah super. Ce sont les dernières de l'année. Hein. Ah, super. J'ai apprécié parce qu'il n'y a pas eu de fraises, il y a eu la rhubarbe que j'adore dans voilà. Le dessert qui était parfait. Donc dans super, le tapioca, lait de coco. Ah oui, non mais ça c'est super. Bien. Donc on a tout aimé. Bon, bah, génial. Voilà. Bon, à l'année prochaine alors. Ah bien sûr. Donc on va essayer Je pense qu'il faut changer de saison. Pour mes 67 ans, je suis au moins d'art. Maintenant, on va changer un petit peu de saison. On a marre des racines, on s'est tapé les racines tout l'hiver, fin de la truffe, fin des Saint-Jacques. Ah, la truffe, on l'a fait, nous. Rien n'a commencé, les asperges n'ont pas commencé. Enfin, ça dépend des années. Mais bon, c'est la nature qui parle. Cette année, mais bon, il y aura quelque chose à manger, vous inquiétez pas. Hein. On fera les frigos, il y aura bien des trucs. Hein. Il y a trop de frigos, on va prendre quelque chose, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un trait d'humour qui est une des caractéristiques de la maison. Très impressionnés par l'équipe. Parfait, ça nous a alors bien on avait, je ne sais pas si ça vous a été communiqué, on avait un bonjour à vous passer de quelqu'un que vous devez connaître. Oui, de Guillaume. De Guillaume. Donc c'est votre voisin alors maintenant. Vous êtes allé voir plusieurs on fois. On est allé déjeuner. On y allait la semaine dernière, samedi dernier. C'est bien. Ah oui. Très bien. C'est génial. Ah non, il s'est débrouillé bien parce que c'est pas évident de travailler sur Vendôme. Non, mais c'est un beau challenge, c'est bien. C'est bien qu'il a. Bah, il a de la place. Enfin, il peut s'exprimer. Il y a de la place, c'est tout ce qu'il faut. Oui, mais enfin, le Loir-et-Cher, c'est pas Paris non plus. Donc. Ah, mais je vois sur Paris tout. Là, on a nos petits jeunes qui vous font des menus à 19 euros, 21 euros. Ah. Ah ouais, plein. À Paris, là, depuis 10 ans, le niveau est extraordinaire. Moi, on a 50 restaurants. Vous donnez, on mange à moins de 50 euros. C'est quelle la grande maison la plus proche ? C'est le domaine des Hauts-de-Loire à Anzin avec Rémi Giraud, 2 étoiles. Ah, ça me parle, je ne suis jamais allé, mais ça me parle. Ah, ça, c'est. Ah, c'est à côté de chez vous, ça ? Ah, oui, c'est juste à 15 km. Ah, c'est bien. Il y avait un restaurant qui aurait dû avoir 3 étoiles s'il n'avait pas eu la passion des voitures, qui est Bernard Robin. Ah oui, vous connaissiez peut-être. Oui, le domaine de Brassieux ouais, à l'époque. Ouais. Les belles tables. Il y a le lièvre gourmand sur. Ah oui, c'est un chef australien. Ouais. Ah oui. Ce guide, on n'a jamais compris ce guide. Non. C'est parti. Donc, enfin, sur Paris, il n'a aucun impact. Hein, voilà. Et puis maintenant, ça a changé. C'est plus du tout oui, ça. Oui, mais le client, la commande, demandait que personne ne connaît. Mais personne ne connaît maintenant, c'est terminé. Alors qu'il y a 30 ans, oui. Tout à fait. C'est ça, il y a 30 ans. C'était de top 3. Tout à fait. Bon, bah, je dis à la prochaine. Ah, c'est un souvenir. Bah, merci beaucoup. On vous merci laisse, bien. Bon, c'est un petit truc. Bien. Bon souvenir. On va découvrir ce que votre associé a fait en cuisine. Ah, ouais, il a fait la surprise, hein.
ça va être la surprise. C'est la première fois que d'habitude je demande à la cuisine pour pouvoir filmer des petits trucs comme ça. Il n'y a pas la place. Vous allez voir, vous allez voir. Ah, non, mais, non. Bah justement, mais c'est très bien. Ça va être l'occasion. Et ça va être justement quelque chose de novateur parce que là, j'ai jamais vu ça. Ah, bah il y en a des surprises ici. Hein. Très bien. Merci bien. Merci bien. Merci madame. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis l'année prochaine, je pense que. Dernière faveur, est-ce que vous pourriez nous faire un mini dédicacé de l'établissement ? Oui, on va vous faire ça. Ah, c'est gentil. On va vous faire ça. C'est gentil. Merci bien. Beaucoup. À bientôt. Bon retour. Et bien l'année prochaine. Ah ben, merci.